Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec le journal du Geek Libre. Voilà, donc un nouvel opus, un nouveau numéro avec ce sommaire-là. Et comme d'habitude, voilà, on a l'habitude. Les logiciels pour commencer, on va suivre avec les distributions et d'autres choses. Et on parlera du Computex avec des petites photos. Voilà, j'ai fait une petite compilation de photos des meilleurs PC de là-bas. J'en reparlerai de toute façon d'ici là. Allez! On commence avec les logiciels et Krita ou Krita comme vous voulez en 3.0. Donc voilà, c'est un logiciel de dessin et peinture conçu pour les utilisateurs tels que la création d'illustrations de bandes dessinées ou de textures. C'est ce que l'on voit ici présent. Voilà. Et pas mal de petites choses qui ont été améliorées depuis la dernière version. Voilà, comme l'animation image par image. Il est désormais possible de faire correctement des animations avec ce logiciel, donc ça c'est plutôt pas mal. Avant c'était pas totalement possible de le faire et il fallait se rabattre obligatoirement sur GIMP pour pouvoir le faire et en GIF en plus de ça. Donc là c'est un autre format, ça permet justement d'interagir avec Blender. De plus, évidemment, quitte à faire des améliorations, autant que ce soit aussi pour les performances au niveau de l'animation, parce que justement, ça utilisera OpenGL 3 à fond, voilà, pour pouvoir avoir une animation très correcte, très fluide et tout. Amélioration des calques aussi, avec la fusion des calques, deux possibles. Avant, on ne pouvait pas fusionner et tout, apparemment, donc maintenant, c'est possible. Il y a de nouveaux filtres aussi qui ont été mis, comme Gimmick, qui est maintenant de base dedans. Il y en a bien évidemment plein d'autres à l'intérieur aussi. L'interface en elle-même a été améliorée afin d'augmenter le confort d'utilisation. Donc ça c'est plutôt pas mal et le temps de démarrage est maintenant plus rapide et ça a été mis sous le compte des modules qui ne sont pas préchargés et qui chargeront une fois que vous les voudrez, les uns après les autres. Voilà. Krita est disponible sur Linux évidemment, ça va de soi, mais sur OS X et en même temps sur Windows. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal, Krita, je mettrai le lien dans la description du logiciel, enfin la page internet, voilà, et vous pourrez aller dessus, voir un petit peu ce qui se fait avec ce logiciel, et évidemment, si vous voulez le télécharger, le tester, ce sera possible. Allez, on passe à Linux 4.6 avec un nouveau kernel qui vient de sortir, voilà. Bon, on va pas toujours faire sérieux, d'où cette image. J'ai trouvé ça plutôt pas mal et je l'ai mise. Alors, pour en revenir à du sérieux, donc Linux 4.6, le nouveau kernel. Donc, il y a de nouvelles choses avec la sortie de celui-ci. Il y a la gestion du protocole SuperSpeed Plus, voilà, qui est l'USB 3.1. Ça offrira une vitesse de transfert jusqu'à 10 gigabits seconde, donc quand même 1, quelque chose gigaoctets par seconde, donc c'est vraiment énorme. Voilà, il y a une meilleure gestion de l'énergie aussi, de nouveaux socs qui sont gérés par les systèmes ARM, donc avec le CPU ARM, le processeur ARM, donc c'est plutôt pas mal aussi. Des améliorations au niveau des pilotes graphiques, notamment pour le DisplayPort, comme ce que l'on a sur le MacBook. Le MacBook Retina va être mieux pris en charge. Voilà, donc c'est encore des petites choses qui justement ne pouvaient pas être pris totalement en charge avec les versions inférieures au kernel 4.6. L'amélioration aussi, toujours dans le graphique, des pilotes AMD, Intel. L'amélioration des performances aussi au sein même des petits micro-ordinateurs, la Raspberry Pi. Voilà, donc ça commence à monter en puissance, ces petits micro-systèmes. Donc ce sera bien pris en compte et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour les systèmes d'exploitation, pour le moment, il y a seulement Arch Linux, Spark Linux qui sont pourvus de ce noyau à l'heure actuelle. Donc voilà, on pourra les télécharger à partir de ces systèmes modulaires, mettre Linux, le kernel Linux 4.6 et après monter le système par-dessus. Fedora, la version 24 du système qui devrait sortir ce mois-ci, donc courant juin. La version 24 sera aussi pourvue de ce kernel là, donc voilà, que 3 systèmes d'exploitation à la fin juin, ça viendra après par la suite. Voilà, et évidemment il y a plein d'autres petites choses, je mettrai le lien dans la description pour pouvoir accéder à tout l'univers du kernel. Voilà, donc il y a quand même énormément de choses qui sont dites dessus, plus ou moins pro on va dire, entre guillemets, parce que ça s'adresse aussi aux développeurs. Voilà. Allez, on va passer à la suite avec Deepin. Donc voilà, les distributions Deepin qui passent en 15.2.
la fameuse distrib chinoise avec un look assez particulier. Donc c'est sur une base Debian pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Il faut quand même un ordinateur assez puissant pour pouvoir le faire tourner parce qu'il y a pas mal de petits modules graphiques qui permettent de faire des animations, des choses comme ça. Donc quand même quelque chose de sympa par derrière. Voilà, c'est surtout pas du Arch Linux avec un bon XFCE, hein, c'est bien plus lourd. Il y a un nouveau menu de démarrage à l'intérieur, une prise en charge du Secure Boot présent dans les cartes mères qui est disponible. La barre de recharge dans le menu de démarrage se trouve en haut, il y a une meilleure prise en charge aussi de cette barre de recharge. Et évidemment, les logiciels qui sont à l'intérieur sont bien évidemment mis à jour. Voilà, donc à retenir. Nouveau point graphique, nouvelle interface refaite, on va dire, au sein du système. Et puis voilà. Slackl 6.0.6, voilà, donc une nouvelle version, avec un support UEFI en 64 bits de disponible. Il lit bien évidemment tous les formats multimédia de base une fois qu'il est installé. Voilà, il est composé aussi de OpenBox, donc un bureau très léger, c'est plutôt pas mal pour les petites configs. Et évidemment, tous les logiciels qui sont à l'intérieur ont été mis à jour par-dessus. Manjaro qui passe en 16.06, alors ça c'est sur une base de Arch Linux. C'est une amélioration déjà du magasin d'applications et des mises à jour de logiciels. Donc tout ce qui touche à l'installation de logiciels, mise à jour et tout. Voilà, maintenant ça va être avec un système graphique. Voilà, il sera fenêtré et tout. Tout sera fenêtré pour cette partie-là, que ce soit beaucoup plus facile pour pouvoir y accéder et mettre à jour le système. Donc ça c'est plutôt pas mal. Avant il y avait encore des petites choses, il y avait une partie graphique, non graphique. Là maintenant tout est graphique, tout est au sein de la même fenêtre apparemment, donc c'est plutôt pas mal. Les logiciels sont bien évidemment mis à jour au sein de cette version et il est disponible avec plusieurs bureaux, XFCE, KDE, etc. etc. Donc je mettrai pareil le lien dans la description pour pouvoir y accéder, donc c'est plutôt pas mal. Et évidemment ce sera pas aussi léger qu'un Arch Linux pur, mais en attendant, ça permet d'avoir un système plutôt stable. Allez, alors on va en parler rapidement, mais Linux Mint, ils sont en train justement de programmer la prochaine version, donc c'est une version bêta. Habituellement j'en parle pas beaucoup, mais comme c'est un système qui est quand même assez connu, voilà. Donc c'est un cours de programmation, évidemment. On va pas dire grand chose, mis à part qu'il y a XApps qui est en train de se mettre en place. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des applications génériques, un petit peu comme les médicaments génériques. C'est des applications qui feront exactement la même chose que ces concurrents originaux. Voilà, donc par exemple on va avoir une version avec un pur style GTK. Et bien il y aura un portage de cette application avec un autre module graphique pour pouvoir l'implémenter naturellement dans le bureau. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça servira justement à remplacer les originaux avec une version adaptée au bureau que l'on aura devant soi, Cinnamon, XFCE, etc. et qui obligatoirement ne prendront pas totalement en charge GTK. Voilà, parce qu'il y a GTK 2, il y a GTK 3, suivant les logiciels, bah, ça peut basculer d'une version à l'autre et évidemment on se retrouve avec différentes options graphiques. Voilà. Donc Linux Mint, voilà tout ce que je peux en dire. Évidemment, ils sont en train de revoir les perfs et tout. Et bah, de toute façon, quand ils auront sorti la version finale, j'en reparlerai dans le journal. Allez, pour terminer, on va terminer avec le Computex de Taipei. Donc, on va en parler tout simplement avec les modes PC. Alors, qu'est-ce que c'est les modes PC ? C'est tout simplement des ordinateurs PC de bureau qui ont été refaits et designés, si je puis dire, de façon à ce qu'ils ne ressemblent pas du tout à un PC classique. Pour nous, un PC classique, c'est soit l'ordi portable que l'on a habituellement, et surtout pour le bureau, c'est la grosse tour avec les prises USB avant, le lecteur de disque et de l'autre côté, les prises USB et la sortie vidéo. Donc là ça va changer totalement de ce côté là, c'est ce que l'on va pouvoir voir avec les petits packs d'images que j'ai compilés. Évidemment il n'y a pas eu que ça sur le Computex, il y avait des présentations de produits audio, sono et évidemment tout ce qui est high tech et nouveautés high tech, que ce soit dans l'automobile ou dans l'informatique, et l'image, le son, tout y était évidemment. Donc là c'était plutôt un truc que j'ai trouvé pas mal. Je vous mettrai aussi le lien dans la description d'une chaîne YouTube, donc c'est GLG Vidéo qui prend ça. GLG c'est Grégory comme il s'appelle, il est basé à Taïwan lui actuellement, et ce qu'il fait c'est qu'habituellement il teste
habituellement des petits smartphones, voilà, ou des gros, parce que c'est comme le chinois. Et bah, il en a profité, tant que c'était pas très loin de chez lui, pour aller au Computex. Ça fait énormément de vidéos là-dessus. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. On a en même temps les commentaires du gars là-dessus. Il a pas fait que les PC, les modes PC, il a fait les ordi portables, il a vu aussi pas mal d'autres petites choses, il a fait des petites vidéos dessus, c'est plutôt pas mal. Donc je mettrai le lien dans la description si vous voulez voir vraiment tout dessus. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a pas beaucoup de chaînes, enfin j'avais pas trouvé d'autres chaînes qui faisaient pareil pour pouvoir présenter le Computex. On avait vraiment l'impression d'y être et de faire en gros, je lui dis bien en gros, le tour du Computex, c'était plutôt pas mal. Allez, on va commencer avec la partie photo. Voilà, on a mis en arrière-plan notre journal du Geek Libre et c'est parti avec ce PC, une PC en forme d'armure. Évidemment, toute l'architecture est derrière. Et là, on va continuer, on va défiler les photos petit à petit. Voilà, donc encore un mode PC. Donc là, on voit que c'est complètement différent de ce que l'on a l'habitude d'avoir. Allez, le petit ourson, ça c'est typiquement chinois, ce genre de choses. Et on remarque aussi que c'est pas mal de modules avec refroidissement liquide. Des petits tours qui ressemblent à des serveurs, c'est plutôt sympathique. Voilà. Pareil ici avec bon, une machine un petit peu hors du commun, ça c'est sûr. Voilà. Il y a ça aussi, donc refroidissement liquide toujours, pas mal de ventilos un peu partout. La carte mère est bien au centre, hein. Voilà, c'est là où se rejoignent tous les tuyaux. Voilà, alors celui-là, je pense qu'il va voler dans pas longtemps, à force de voler avec les ailes. Pas mal de ventilos aussi, plutôt pas mal. Voilà, un MSI, donc ils ont revisité la tour. Hein. Bon, c'est une tour, hein, mais ils ont revisité le design, on va dire. Ça, c'est Intel. Alors, ce que vous voyez sur la gauche, c'est des cartes graphiques, et sur la droite, c'est le cœur de l'ordinateur. Donc, c'est très étonnant la façon dont c'est fait. Très futuriste, mais en attendant, il suffit de brancher, je sais pas combien d'écrans là, juste sur les plateformes sur la gauche, et on aura tout. Le petit PC tranquille que l'on peut transporter partout grâce à séance. Ça, c'est marrant aussi. Voilà, donc un autre mode PC tout plat. Encore des tours, on dirait des serveurs, ces boîtes-là. Alors là, on a carrément le bureau avec que des modules de PC à l'intérieur. Et c'est vitré, donc bon, bah, on peut travailler. En même temps, on sait que ça prendra pas de place à côté du bureau. C'est notre bureau, le PC. Ça, c'est bien aussi, c'est marrant. La tête de mort, allez. Là, je sais pas où est-ce qu'on est parti, c'est Pirate des Caraïbes, des trucs. La machine de guerre, alors pour info, la carte mère est carrément sous les gros fusils, hein, sous les, enfin juste au-dessus des chenilles et en dessous des armes, on va dire ça comme ça. Encore un autre ordinateur, alors là c'est carrément une boîte en bois, ça c'est sympa aussi, j'aime bien. Et là on a l'ordinateur, alors l'ordinateur on sait pas où est-ce qu'il est mais il existe, hein. Il est dedans, ça c'est sûr. Mais voilà, ça c'est vraiment le must, ça ressemble plus à rien par rapport à l'ordinateur, mais en tout cas, ça doit faire le taf. Et voilà, voilà, donc c'est fini pour le Computex. Hop, on va terminer le journal du Geek Libre avec ces images. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir, ces petites images finales. On se retrouvera bien évidemment avec ce journal dans 2 semaines, il y aura peut-être d'autres actus, évidemment. J'en profite pour en parler de ça, donc c'est le 13 juin, il y a Apple qui fait sa petite conférence développeur. Donc voilà, si vraiment il y a des choses intéressantes, j'en parlerai dans l'autre journal, ou si vraiment il y a plein de choses, bah, je ferai une petite vidéo vite fait là-dessus. Bon, je doute qu'il y ait énormément de choses à dire, je pense pas que ça vaille une vidéo, mais je pense qu'à mon avis, ça vaudra plus une petite vue sur le journal du Geek Libre, vite fait, comme on a l'habitude maintenant avec Apple. Avant, il y avait vraiment beaucoup de choses, et là, depuis quelques temps, ça s'est un petit peu estompé de ce côté-là. À voir par la suite. Pour le moment, c'est plus Windows, plutôt Microsoft qui se montre, on va dire, de ce côté-là. Voilà, on se retrouvera pour une prochaine. Portez-vous bien, bon week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!